Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 7 de Au coin du Blu-ray. Épisode 7 donc qui change de lettre puisque nous passons dans la lettre C. Alors, je dois avouer que dans la lettre C, j'ai pas mal de films que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne. J'ai notamment le diptyque Ça, ou It, qui est bon, qui est même très bon, dont je trouve la deuxième partie bien plus intéressante que la première, mais ça, si vous avez vu la chaîne, vous savez très bien ce que j'en pense. Également, on peut noter Le crime était presque parfait, qui est un immense morceau de cinéma, je n'ai pas forcément besoin de le rappeler, ou Citizen Kane. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler d'un film qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un film que je défends, dont j'ai jamais eu l'occasion de parler sur la chaîne, et que j'apprécie énormément, et qui, je trouve, est complètement oublié de beaucoup trop de spectateurs. Parce que lorsqu'il est sorti, il a eu un certain impact, mais rapidement, on l'a oublié, parce que de un, on s'est dit, est-ce que ça me passionne vraiment l'histoire de Claude François? Et de deux, on a oublié l'extraordinaire metteur en scène qui était à la tête du projet. Ce film, c'est Clo-Clo, et ce réalisateur, c'est Florent Émilio Siri, qui est un immense metteur en scène, beaucoup trop oublié du cinéma moderne français. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous résumer l'histoire? C'est la vie de Clo-Clo. Pas forcément besoin de résumer plus, et c'est vraiment la vie de Clo-Clo, de tout gamin jusqu'à la fameuse baignoire et la fameuse ampoule à changer. Le film est sidérant de maîtrise. Moi, c'est ce qui m'a scotché quand je l'ai vu. Après, encore une fois, on est sur un film où on parle de Claude François. C'est une personnalité clivante. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Moi, je fais partie de ceux qui ont surkiffé ses chansons. Et du coup, lorsque l'idée d'un biopic, porté en plus par Florent Émilio Siri, qui reste un cinéaste de genre français, un des plus géniaux, enfin, il a fait des films qui sont vraiment hallucinants de maîtrise. Et même dernièrement, il essaye de se remettre un petit peu sur le devant de la scène, et je trouve il le fait bon, pas forcément de la meilleure manière, puisqu'il fait des comédies avec Franck Dubosc et Gérard Lanvin, mais il arrive quand même à essayer de se remettre sur le devant de la scène, et je trouve au final que parmi tous les réalisateurs français qui ont essayé de se frotter au genre de la comédie, sa comédie, ainsi que Mon cousin de Yann Kounen, sont peut-être les deux seuls que j'apprécie à peu près, parce que toutes les autres, je les trouve nulles. Je trouve par exemple que Jean-François Richer, lui, ce qu'il fait en termes de comédie, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais ce que fait Florent Émilio Siri, c'est pas mal, mais je le préfère forcément dans le cinéma de genre. Clo-Clo, c'est un petit peu si Florent Émilio Siri, cinéaste de genre, s'était dit, il faut que je fasse le biopic français ultime de l'artiste français ultime. Et donc du coup, il se donne à fond pour faire en sorte que le long métrage sonne comme à la fois le biopic le plus classique du monde, avec des effets de style, une narration assez convenue et une espèce de grand geste dramatique qui se voudrait vraiment être la peinture de l'artiste français qui aurait voulu atteindre les sommets américains que tous les artistes ont envie d'atteindre. Et c'est ce qui rend Clo-Clo absolument génial. Personnellement, lorsque je vois Clo-Clo, je suis stupéfait par la maîtrise du cadre et par la maîtrise de tout ce qui entoure le personnage. Et on en parlera après, également par une maîtrise d'acteur que je trouve assez exceptionnelle, que ce soit l'acteur principal ou les acteurs secondaires, tout le monde est bon. Même Benoît Magimel. Et je vous assure que Benoît Magimel, honnêtement, en manager avec un gros pif et des mimiques complètement abusifs, il passe plutôt bien. Mais vraiment, Clo-Clo, ça me sidère à quel point Jean-François Richer, non, Florent Émilio Siri, pardon. Florent Émilio Siri maîtrise son cadre de bout en bout, apporte exactement ce qu'il faut au rythme du film pour qu'il soit dynamique et en même temps que ça n'écrase pas cette sensation de monter en puissance de la carrière de Claude François. Et moi, c'est ça qui m'éclate. Et derrière, bien évidemment, la performance de Jérémy Renier apporte tellement, mais tellement. Déjà, il y a la ressemblance physique qui est absolument folle. Et dès les premières images du film, tout le monde savait que le film serait bon rien que pour ça. Et ça a été le cas. Heureusement, ça l'a dépassé, mais il y avait déjà ça qui confirmait cette idée que le biopic de Claude François allait forcément être intéressant parce qu'il y avait Florent Émilio Siri à la mise en scène et Jérémy Renier, sosie officiel de l'acting français de Claude François, en tête d'affiche. Donc ça ne pouvait que être bon. Et ça rend le film juste génial. Parce que du coup, on a un metteur en scène qui est tellement passionné par la carrière de Claude François qu'il se donne à fond pour faire en sorte qu'on comprenne tout, mais également, et ça c'est important, qu'on comprenne que c'était un salaud. Qu'il n'a pas toujours été quelqu'un d'agréable ou l'artiste totalement abouti et qui a reçu une consécration internationale qu'on connaît tous. C'était également un salaud. Et le film arrive plutôt bien à le mettre en relief, arrivant à faire un portrait plutôt objectif de Claude François. Bon, forcément, derrière, il y a une fascination pour le personnage, mais ça, c'est un peu évident parce qu'on parle de Claude François, encore une fois. Mais c'est bon. C'est putain de bon.
Et c'est vraiment jouissif à regarder, que ce soit le travail de reconstitution, que ce soit la ressemblance flagrante qu'ont certains acteurs avec les personnages qu'ils interprètent, que ce soit la maîtrise de la mise en scène de Florent-Emilio Siri, tout est bon. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est important de le noter, cette galette est bourrée de bonus, et c'est jouissif. Que ce soit des making-of, que ce soit une version longue, malheureusement dispo que sur le DVD, ce qui fait que la qualité n'est pas forcément à la hauteur de la rallonge, mais bon, après, c'est que 11 minutes, mais quand même, que ce soit des interviews, que ce soit des portraits de Claude François, que ce soit tout simplement une intro par Florent-Emilio Siri, ce qui reste, mine de rien, extrêmement rare, mais ça, c'est important d'avoir des introductions, et je trouve qu'il devrait y en avoir beaucoup plus, parce que des fois, ça apporte énormément à la relecture qu'on peut avoir du film lorsqu'on le revoit chez soi, et il n'y a pas forcément beaucoup d'auteurs qui font ça. Moi, je compte Mathieu Kassovitz, Fabrice Duwels et Florent-Emilio Siri en France. Il y a Michael Cimino également sur certains de ses Blu-ray qui fait des introductions, notamment sur La Porte du Paradis. Mais c'est rare d'avoir des cinéastes qui font des introductions de leurs films. Et moi, personnellement, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, parce que je pense qu'au travers d'une introduction et d'une présentation du film par son auteur, on peut découvrir encore plus de choses et on peut avoir une lecture peut-être un petit peu plus intéressante des fois si on a eu un avis un petit peu biaisé lorsqu'on l'a vu en salle. Ça peut être le cas, par exemple, moi avec Vignan, que j'ai revu en DVD chez moi, et où la présentation par Fabrice Duwels du film, donner une autre perspective de lecture à celui-ci. Et ici, je trouve également que l'introduction par Florent-Emilio Siri apporte beaucoup à la relecture qu'on peut avoir de son Clo-Clo, qui est un gros morceau de cinéma que je vous conseille très fortement de vous procurer, vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 7 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez, soit de la carrière de Claude François, allez, pourquoi pas, on peut rigoler, soit juste du film Clo-Clo de Florent-Emilio Siri. Et dans tous les cas, j'espère que vous passerez un bon moment, parce que moi, j'adore remater ce film, je le trouve excellent. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une galette de Blu-ray.